Bonjour, bonsoir, Babouné Nyonso, il y a du lien Tambi TV officiel et c'est Kiswa Bibino. Juste, on a besoin d'un format du lien Tambi. Là, ça encourage à Zo Bélina, à Zo Singa, vraiment, la Bino pour s'abonner massivement à la chaîne à YouTube du lien Tambi TV. Chaîne la Bino, vraiment, vous a vraiment informé à temps réel, 100% news, parce que la du lien Tambi TV, TV, la radio, TV, la Bino, le format TV, Zongé, la Bino. Au cas de ses bienfaits. Au merci.
par nous, par le truchement de ton Saint Esprit. Que le message de ce matin nous pénètre. Bendit comme le psalmiste, l'Éternel a parlé une fois, mais nous avons écouté deux fois. Visite-nous pour nous écouter. Esprit, je m'en parle aussi à nos âmes. Quoi qu'il y ait des questions, on verra le plus en la saison. La conférence Oméga. Nous allons passer trois jours dans la présence de Dieu. Le mot Oméga, Oméga, ce n'est pas un mot étranger. C'est un mot biblique. Le mot Oméga, c'est un mot biblique. C'est un mot qui tient son origine de la langue grecque. La lettre Oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec.
Dans l'alphabet grec, nous avons 24 lettres. L'alphabet grec, la lettre est la première ligne. Si, la 24e et la dernière lettre, c'est oméga. Souvent dans la Bible, ce mot oméga, il est affilié à un autre mot, il est alpha. Il n'a jamais été utilisé de manière isolée. C'est un mot qu'on associe à un autre mot. Et ça nous donne les titres que l'on donne à la personne de Jésus-Christ pour nous présenter son existence éternelle. Alpha, c'est le commencement, le début. Oméga, c'est la fin, le dernier. Oméga, il y a souka. Ainsi, on dit le commencement et la fin. Voyez-vous ça, c'est-à-dire il commence dans l'éternité pour finir dans l'éternité. Ainsi, quand nous prenons ces mots de manière isolée, pour en faire un mot composé, conférence oméga. C'est-à-dire, c'est un cadre au cours, un cadre dans lequel le message qui sera débattu, ou la parole de Dieu qui sera présentée, sera en rapport avec la génération, la dernière génération dont le Seigneur a parlé prophétiquement. Conférence oméga, c'est-à-dire, et si comme on peut nous avons attiré au quatrième mot, maté à peu de et taille et à table sous capot. Nous sommes de la dernière génération. Donc allez à écoutez-moi très bien. Nous sommes de la génération prophétique et apostolique. Il y a des choses qui doivent arriver dans notre génération. Ici, je suis en train de parler à quiconque a cru en Jésus. À celui qui a la foi en Jésus. Il est inscrit parmi ceux de la dernière génération. La dernière génération qui vont jouer un rôle prépondérant dans l'accomplissement des plans de Dieu sur la terre. Ainsi, cette génération a besoin d'un message, d'un message en rapport avec son rôle sur la terre. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a des messages de terre à terre. Des messages complaisants, des messages que nous donnons aux gens qui nous les demandent. Un message n'est pas la réponse à une demande. Un message, c'est la volonté de Dieu exprimée pour les hommes. Ce que Dieu veut pour ce peuple. Ce que Dieu veut que ce peuple-là obtienne. Ce que Dieu veut que ce peuple-là fasse. Dieu le fait passer sous forme de message. C'est pourquoi il a des serviteurs. C'est pourquoi il a des prédicateurs. Des personnes à qui il a donné le mandat. Pendant ces 3 jours, vous ne serez jamais déçus. Quand je sens que le ciel va s'ouvrir, il y a une pluie qui va tomber. Je parle d'abord de la pluie de la parole qui va tomber. Si il y a ici des amoureux de la parole, la Bible déclare qu'au commencement était la parole. On ne dit pas que le commencement était l'or et l'argent. Le commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Moins encore des richesses de ce monde.
tu me parles. La parole était la vie. On dit que la parole était la vie. Mais cette vie était la lumière des hommes. Celui qui reçoit la parole, il reçoit la vie. Est-ce que ce matin il y a des choses de pas qui s'apprêtent à recevoir la vie par les moyens de la parole? Est-ce qu'il y a 10 personnes de pas qui vont connaître la résurrection? S'il y a des choses qui étaient déjà mortes en toi, dans cette conférence, j'aurais voulu que tout le monde ait au moins un carnet, ainsi que sa vie. Maintenant, regardez-moi, brandissez un peu vos carnets. Maintenant, ils sont venus ici comme dans un pays. Parce que le corps va y avoir un bonjour, c'est très bien. Prédier auprès de toi. En face de moi. Tu ne vas pas faire ça. Au sein du si tu es fatigué, tu peux aller au fond. Sauf les mythes, sont dans la cima. Amen. Je vais votre vie de la mer. Nous avons des Bibles électroniques. Les lois de la je ne parle pas des Bibles électroniques. Vous devez avoir une Bible papier. C'est quelque chose qui vous stimule à lire. Amen. C'est pour la lire là, lorsque vous êtes en train de paginer la Bible papier. Ça fait du bien. Ça a un impact physiologique. Amen. Tandis que la Bible électronique, quand vous êtes en train de naviguer, il y a un message WhatsApp qui entre. Donc, vous avez mis le message WhatsApp. Et c'est que vous êtes embarqué. Amen. Une génération qui sera témoin du déroulement et de l'achèvement de la grâce de Dieu parmi ces nations. Nous devons être les témoins de la grâce. Comment est-ce que cette grâce va cheminer jusqu'à la fin? Pendant ces 3 jours, je vais faire un petit briefing des choses qui seront traitées. Je parlerai de Élie. Alléluia. Je parlerai d'Élie, le profil de lui. Élie représente la génération prophétique. La génération qui bouleverse les choses. Alléluia. Élie représente cette génération qui doit entendre les bruits qui annoncent la pluie. Il y a une génération qui a lui exercé. Il y a une génération qui a lui exercé. L'oreille ont éclatement exercé. Alléluia. Une génération qui a lui exercé. Et alors le troisième jour, nous parlerons de la pluie.
Mais ne manquez jamais. Ne manquez jamais. Un de ces jours. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Vous savez, dans l'agriculture, moi je suis un fermier. Dans l'agriculture, la pluie représente la graine principale de tous les engrais. Sans parler des engrais chimiques, la terre a besoin de l'eau, et la pluie. Et la pluie pour la terre constitue une grande bénédiction. Amen. Lorsque la pluie tombe, tous les végétaux sont alimentés, sont nourris. Ils ont besoin des eaux. Ils sont nourris et ils grandissent. Les œufs fleurissent, donc produisent des fruits. Tout cela à cause des eaux de la pluie. La pluie rafraîchit l'œil. Quand vous êtes dans un environnement sain, vous savez, ici en Afrique, il est rare de voir des environnements sains. Ici en Afrique, nous vivons dans des environnements malsains. Mais sa vérité est tellement terrible. Et lorsqu'il pleut dans un environnement malsain, la malpropriété se multiplie facilement. Mais la pluie, selon les concepts du Créateur, la pluie rafraîchit l'air. Elle apporte les rafraîchissements. Là où il y avait la sécheresse. Lorsque la pluie vient, vous allez effleurer le frais. Alléluia. Elle permet à la terre de se désaltérer. Et la terre s'enrichit à cause de la pluie. Elle prépare la terre pour le cultif à venir. Mais cette pluie doit tomber en sa saison. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire qu'il y a des saisons. Il y a une qui n'est pas celle de la pluie. Il y a une autre qui est celle de la pluie. Même sur notre cycle, on parle de quatre saisons. Ces quatre saisons sont symbolisées en des. Il y a des saisons au cours desquelles il y a plus de eaux abondantes sur la terre. Mais il y a des autres saisons au cours desquelles il y a plus la sécheresse. Alléluia. 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 Ainsi, lorsque la pluie fait défaut, lorsque l'air ou l'une des saisons fait défaut, l'humanité se voit menacée. L'humanité est en danger. Ça veut dire quoi? L'homme a toujours eu besoin des jours de la pluie. Et c'est quoi tout au long de cette conférence? Le ciel s'ouvrira. Quelqu'un qui est passé par des choses, des mois, c'est des compliqués. Non, écoute-moi très bien. Yeah.
nation redoutable sur la terre. Celui qui s'attaque à Israël, il s'attaque à Dieu. Vous savez, même les années antérieures, les années passées, les années 70, les Palestiniens s'étaient attaqués un jour à Israël. Cette guerre-là avait duré pendant 7 jours. Ils étaient sur le point d'exterminer les Israélites. L'histoire nous raconte. Le septième jour, il y avait les orages dans le ciel. L'apparition des négociés. Tu regardais dans les camps des Palestiniens. Alléluia. Et la guerre s'est arrêtée. Parce que Israël est avec Dieu. Lorsque tu es avec Dieu, tes ennemis vont ressembler. Yeah.
aujourd'hui ici. Je me suis débarrassé. Et ma
Qui t'a pris ta vie? Qui t'a fait désespérer? Qui t'a fait désespérer?
Saint-Esprit te guide. Il est en train de s'en aller maintenant. Il est en train de s'en aller maintenant. Thank you.
bonsoir à Babouli Nyonso, il y a du lien de TV officiel et ce qui soit Bibino. Juste on a besoin d'un format de lien de TV. Là, ça encourage à Zoubéli, à Zoussing, à vraiment la Bino pour s'abonner massivement à la chaîne à YouTube de la Kami TV. Chaîne à Bino, vraiment vous a vraiment informé à temps réel, 100% news parce que la Douli à Kami TV, TV, la radio de TV, la Bino, vraiment TV, Zoubéli, vous s'abonnez, beaucoup, beaucoup, beaucoup.